50 à 200 mètres. Et l'allure. Ça va être difficile pour Cossens. L'allure a coupé un peu devant. Kelly est enfermé. Fini, on se dégage bien de l'autre côté. J'ai aperçu Schurer aussi, alors donc il ne viendra pas emmener son sprinter. Cossens, ça bloque. La caméra se retourne, ça va être difficile, mais si on se relève, c'est fini. Ah, Herman, c'est capable de revenir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah, là, là, là. Rien n'est fait encore. Un peloton qui fond comme ça, de reprendre un coureur. Oh, que ça va être difficile pour Cossens. J'ai l'impression qu'il y a 100 mètres, mais ouais. C'est juste 100 fini mètres. Oh, puis ce faux plat. Oh, qu'est-ce que c'est dur pour lui. Non, ce serait arrivé au sprint. Cossens va être arrêté par le peloton. Ça y est, c'est déjà fait, il est enveloppé. Va sortir, oui. On le dédaigne, on le laisse sur la droite de la route. Là, ça va être très difficile, voilà. Sur la droite, c'est encore notre ami. Et oui, toujours le finisseur, Nedam. Nedam qui est en tête, mais qui est parti d'un peu loin cette fois. Extraordinaire finisseur, Nedam, s'il résiste au sprint. Il y a Kelly dans son sillage, en deuxième position, et qui va y rester. Nedam. Non, battu Nedam, battu par Fidenza. Battu par l'Italien Fidenza, semble-t-il. Sur